Salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça y est, je me suis acheté une nouvelle carte mémoire pour ceux qui auraient raté ce qui s'est passé. En voulant transférer mes données, absolument tout s'est effacé. J'ai réussi à récupérer quelques petites photos et vidéos. Finalement, c'était un mal pour un bien. Me remettre à fond dans ce voyage et vraiment profiter. Alors le principe du vlog va un peu changer, je vais vous faire des petits reportages de ce que j'ai pu voir et visiter ces derniers jours. En vrac, il y a eu la réserve Aquila, on a fait un safari samedi. Talbot Mountain, il y a Boulder Beach, la plage avec les pingouins, le Cap de Bonne-Espérance. L'Afrique du Sud, c'est vraiment un super beau pays, en tout cas la région qui entoure Keta, c'est juste magnifique. Et puis voilà, donc c'est parti pour un récap vidéo de ces derniers jours. Absolument rien fait. Ça fait du bien aussi de se prendre une petite journée où on ne fait absolument rien. J'ai pu regarder mon épisode 3 de Game of Thrones. Voilà. Passons à autre chose. Aujourd'hui, on va repartir sur le waterfront. J'ai très envie de visiter le muséum d'art contemporain de Cape Town, le Zaits Museum. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. Ensuite, ce sera un petit peu de shopping sur le waterfront. Je pense que voilà, on va passer une petite journée cool, tranquille, sans pression, avec le retour du vlog. A plus tard.
et bienvenue pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui on va faire un petit tour à l'aquarium des deux océans. Donc c'est situé sur le waterfront. Et puis on va aller voir les poissons, les requins, enfin tout quoi. Poser ça dans le bus parce que... Attends 30 secondes. On envoie Emeline.